pensez que tout ce que vous avez sur vos tables là, c'est offert par le crédit communal. Et bien ça, c'est la faute, parce que hier, méchamment de financeurs ont travaillé pour le crédit communal et pour le salon. Je ne sais pas pourquoi. C'est par l'administration communale. Thank you.
Thank you.
en rose. Quoi de plus merveilleux que l'assiette en bleu de voir la vie en rose et de le chanter avec moi. Ok?
vous aider. Et oui, n'est pas bien que je parle, c'est Amen. 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 Au ciel et terre.
Il y a 30 ans, j'étais en confiture et je débutais dans l'auberge du Cheval Blanc. J'ai eu à l'époque en souvenir un petit cadeau. C'était ce costume qui appartenait à une bande du chassé, qui me l'a donné. Il m'a dit, j'espère qu'un jour tu pourras le mettre pour jouer Léopold. Quelques années après, je jouais Léopold. J'étais dans cette opérette amoureux de ma patronne. Ah ! Une brave jeune patronne qui n'avait Dieu que pour un petit avocat de province. Monsieur Vivant, à quel c'était le joli. Et moi, je m'enfondais, car finalement, j'avais le cœur tout brûlant d'amour pour ma Joséphine.
Dis-moi ce que tu veux aussi.
grâce pour ce beau compliment, puisse vous faire. Alors, merci aussi à vous tous qui répondez nombreux à notre rendez-vous annuel. Après ce bouquet de merci, nous voulons, en votre nom à tous, remercier avec quelques fleurs à chacune de nos sympathiques interprètes. Merci. Avant de nous quitter, parce que David Baudimon, avant de nous quitter, je voudrais que vous emportiez chacun cette petite brochure qui a été mise sur la table. Ce sont des activités de toute l'année que la Commission essaie de créer pour vous. Aussi, maintenant, au nom de mon ami André Roy qui est ici dans la salle, vous êtes invité à aller au théâtre de Tôme. On y joue le Bossu. C'est une très belle pièce, je crois qu'il sera apprécié. Elle se donne au centre culturel, à la place communale des Infâmes, le vendredi 21 octobre à 20h15. On espère vous y voir nombreux. Bon retour, bonne soirée, à bientôt.